Ce campus de la ville de Geleen aux Pays-Bas est partenaire du projet Rolling Solar. La chaussée de cette rue est équipée sur deux tronçons de cellules photovoltaïques. Les étudiants du professeur Ziegler-Frohn relèvent le nombre de véhicules qui passent dessus et contrôlent l'usure de ce revêtement et ses performances dans différentes conditions climatiques. L'équipe veut apporter sa pierre à la transition énergétique. Aujourd'hui, on est au début de la transition énergétique aux Pays-Bas avec environ 5 gigawatts produits par les énergies renouvelables. On doit atteindre 250 gigawatts en 2050 avec environ 20% issus d'équipements photovoltaïques intégrés aux infrastructures. Donc une quantité énorme devra provenir des routes solaires. Nous sommes aux Pays-Bas, un pays très peuplé, et on ne peut pas utiliser beaucoup de terre pour installer des panneaux photovoltaïques. Donc c'est important de les placer sur des bâtiments et des infrastructures. La chaussée a l'air classique, mais en réalité, ses propriétés sont différentes de celles des routes normales. Pour moi, c'est important de travailler sur ce concept de route solaire parce que j'aime être innovant et faire quelque chose d'utile pour les prochaines générations, et c'est tout le sens de cette route solaire.